D'Ivoire TV Musique, bonjour et bienvenue dans Fafa. J'espère que vous allez super bien et que vous passez un excellent week-end. Alors, nous avons deux invités aujourd'hui. L'un a été le meilleur ami de DJ Arafat et l'autre son manager pendant les derniers instants de sa vie. Nous avons donc décidé de les recevoir. Je vous demande de recevoir chez vous comme dans ce studio, Olok Pacha, l'Empereur et Arnaud Jaguar. Bonjour Olok Pacha et Arnaud Jaguar. Bonjour. 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 Et bienvenue dans Fafa sur Ivoire TV Musique. C'est votre maison, hein. Mettez-vous à vos aises, on va faire une très belle émission parce que je sais qu'il y a des révélations qui vont sortir. J'adore ça moi, hein, Arnaud? Ouais. Je suis un peu affairé, c'est mon travail, je suis payé pour ça. En parlant de révélations, parce que tu sais, récemment, il y a Olok Pacha qui a posté quelque chose qu'il a, sur la toile. C'est son habitude. Qui a fait un gros boulet. Bon, on est tenté de croire que... À des moments, quand tu vois les posts de Olok Pacha, il a une certaine sérénité. On se demande bien si, est-ce qu'il a vraiment cassé le téléphone de DJ Arafat. C'est ça. Ça, c'est une question qui trottine un peu à l'oreille. Voilà. Tout le monde se pose la question. Est-ce que, finalement, Olok Pacha a véritablement cassé le téléphone de DJ Arafat? Bon, ok. Merci beaucoup. Merci Chola. Merci vieux défalé. Il n'est pas vieux. Ouais. C'est le vieux père. Je suis le vieux père. Toi aussi. Le vieux père dévalé. Le vieux dévalé. Bon, il n'y a pas de blanc sur ma tête. Arrête de me défendre. Bon, merci pour la réponse et pour la question. Autant pour moi. C'est toi qui dois répondre. Donc, pour la photo qui est postée ici, Facebook, c'était pour amener aux gens que je rappelle d'Arafat. Okay. Sinon, ce n'est pas pour quelque chose de grave, quelque chose... Bon, c'est tout. Mais en amenant les gens à ce qu'ils se rappellent de Feu Arafat, tu fais un poste où tu présentes quelqu'un et tu déclares qu'elle était sa compagne pendant ces derniers temps. Pourtant, tout le monde sait très bien que sa compagne pendant les derniers temps... C'est Carmen Sama. Bon, c'est quel genre de rappel toi tu veux faire? Si ce n'est pas même pas là pour tenter de chercher. C'est bafouille. C'est un bafou. J'ai dit j'allais poster la photo et puis mon compagnon, mon frère, a suivi. Donc lui, il est mieux placé pour parler de ça. Oui, parce que moi, j'ai appris dans les coulisses hein, que, en fait, l'information vient d'Anou Jaguar. Que c'est pas lui l'instigateur. Hein. Voilà, parce qu'Anou Jaguar, derrière ses airs de quelqu'un sérieux, là, on dirait que lui-même, là, c'est un petit piquant qui est derrière. Là. Alors, bon, Arnaud, dis-nous exactement, la femme en question, c'est qui exactement pour parce Arafat. Que vous n'avez pas répondu vraiment. C'était la chérie d'Arafat. À quelle période de sa vie? Oui, pendant ses derniers jours. Juste avant son décès. Pendant qu'il était avec Carmen. Oui. Donc, Arnaud Jaguar, si je comprends bien, je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal, mais la femme dont tu as posté la photo, Olo a posé en complicité avec toi. Avec Arnaud Jaguar. C'est vous deux en concomitance. Vous êtes entendu. Elle est un binôme champion. Ah ben voilà. Donc, en fait, c'était la copine d'Arafat avant son décès. Oui. Quelque temps avant son départ définitif. Oui. Donc, elle était là pendant que Carmen était là. Oui. Carmen connaissait son existence. La question reste posée. Non, faut nous dire. Non, moi, je sais pas. Pardon, il s'est affairé. Oh, Jesus. Non, je sais pas. Hein? Ouais. Elle a eu un enfant avec Arafat? Non. Maintenant, j'ai l'impression qu'on se trompe. Parce qu'apparemment, il y a deux femmes. Il y a une femme qui était dépeinte comme la copine d'Arafat avec un enfant qu'il aurait eu avec elle. C'est vrai ou c'est faux? C'est la même ou pas? Non, c'est pas la même. D'accord. Et celle dont Olo a posé la photo, c'est qui? En complicité, Arnaud Jaguar, il faut préciser. Mais Flessel, Lili, son nom, c'est quoi? Non, mais au fait, Arnaud, tu es mon binôme? Donc, réponds. Voilà, bon, il s'agit d'une fille qui est restée avec l'artiste dans ces derniers moments et qui nous a apporté beaucoup de soutien. Financier? Moral, je parle de moral. Et financier? Non, pas financier, parce que c'est le Daichi, tu vois. Et qui a joué un grand rôle. Un grand rôle. Elle était là lorsque l'artiste avait besoin de conseils, parce que ça n'a pas été facile.
Voilà, et voilà, c'est tout. Mais est-ce que Carmen savait qu'elle existait ? La question me taraude. Est-ce que Carmen savait qu'Arafat avait une autre femme ? Et quelles étaient les intentions réelles d'Arafat vis-à-vis de cette femme-là ? Bon, là, je ne saurais me prononcer là-dessus parce que s'agit de ça, c'est sa vie privée. L'artiste, c'est sa vie privée. Et aujourd'hui, si vous avez vu qu'on a posté la photo de la fille, c'est... on a vu un peu parce que lorsque l'artiste est parti, ça n'a pas été facile pour elle. Elle est restée dans l'ombre. Donc, c'était et la femme de l'ombre. Elle a fait son deuil comme il se doit, convenablement. Voilà. Et... comme une veuve. Voilà. En tout cas, elle a fait son deuil. Son deuil, tranquillement. Et on s'est permis comme ça de poster sa photo. C'était avec son accord. Avec son accord à elle. C'est bien, sinon on a posté la photo. Elle s'est pas plaint. Voilà, elle n'était pas informée. On a posté la photo comme ça. C'était juste une manière pour nous d'être un peu reconnaissant pour ce qu'elle a eu à faire pour nous. Voilà. Je tiens à dire, ça c'est une anecdote. Lors de notre dernier concert au Williams, l'artiste n'était pas vraiment bien dans sa peau. Voilà, et c'est elle qui a été à ses côtés, qui l'a conseillé, qui a même trouvé des médicaments pour qu'il puisse vraiment se remettre sur table pour aller vraiment à ce concert. Et pendant ce temps, Carmen était où? Merci. Pardon? Carmen était où pendant ce temps? Là, je ne saurais vous. Mais comment tu ne sauras le dire? Attends. Bon, il y a une femme qui est dans la vie d'Arafat, hein. Je résume. Elle est à ses côtés pendant le concert de Yelams, au Yelams, son dernier concert avant son départ définitif. Elle est présente. Carmen Sama, elle se trouve où pendant tout ce temps? Arafat l'avait chassée ou ils étaient plus ensemble? Ah, ça, moi, je ne sais pas. Parce que mais vous n'êtes pas censé ne pas le savoir. Tu ne peux pas ne pas le savoir, tu le sais, tu ne veux pas le dire. Mais tu vas bien dire que, attends, il y a des poules paquets là. Ah! Parlons! On parle ou pas déjà? Je n'aime pas les faux semblants. On est venu parler, on va parler. Regarde la caméra. Parlons. Faut te réveiller. Je dis. Donc, oui. Carmen était où pendant que la femme était dans la vie de Yorbo? Elle est dans la maison. Et donc elle était là? Elle était là. Parlons de Carmen. Parlons de Carmen et on parle de la fille dont tu as posté la photo. Parce que toi, Olo, on a remarqué quelque chose. Souvent les gens sont là, il n'y a pas de problème. Un jour, tu prends un plus bon. Tu balances et puis quand tu poses des questions, tu dis silencieux. Non, en fait, tu sais, on a l'impression que le pendant d'Arafat était cassé. Par qui? Par moi. Quand? Voilà. Quand? 3 jours de sa mort. C'est pas le même jour. 3 jours après sa mort. C'est pas le même jour. C'est pas le même jour. Et quand tu as cassé le téléphone, j'étais en compagnie de qui était témoin pour dire que, effectivement, Olo a cassé le téléphone de Yorobo. Mais la majorité, les membres de la Yorogan. Non, tu as cassé devant qui? C'est lui qui te dit la majorité, les membres de la Yorogan. Vous êtes le lien. Tu as dit, moi, j'ai décidé de casser le téléphone. Landry, Agba, Vanessa Fischer, Youtoir, Rouge. Christian, la Yorogan, Vanessa Fischer. C'est moi, j'ai cassé le téléphone. Et qu'est-ce qui prouve que c'était vraiment le téléphone d'Arafat? Oui, c'est le téléphone d'Arafat parce que je ne suis pas menti si la mort de quelqu'un de mon ami, en plus, comme mon frère, ça, il n'est pas menti. Si lui, il te dit qu'il y avait son portable, j'ai cassé. Maintenant, qu'est-ce qui t'a motivé à casser le portable? C'est quoi la source de motivation? En fait, quand Arafat est tombé, moi j'étais à Yopougon. À la veille même, à la maison, il est rentré dans ma chambre, dans l'obscurité, quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et je dormais, je vois que il y a quelqu'un dans la maison, présence. Il y a une présence en fait. Il dit non, ça ne m'a jamais arrivé. Je me réveille, il regarde derrière, il voit que c'est mon ami, tu as croisé ses bras, il me regarde. Il dit mais c'est quoi ça? Donc quand il a vu que j'étais réveillé, il est sorti de la chambre. Je l'ai appelé, il est rentré, encore il m'a regardé. Puis il est ressorti. Donc ça, bon, j'ai fait au moins 3 heures de sommeil. Mais j'étais tellement fatigué que bon, c'est pas la peine d'atteindre mes lever. Peut-être la besoin de moi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à entrer dans sa chambre. Il m'a regardé, il a claqué la porte. En fait, il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Donc, il dit, mais il y a quoi? Donc j'étais derrière la porte, il dit, mais son moi, il y a quoi? Il ne me parlait pas. Il ne voulait pas parler à sa femme, il ne voulait pas me parler. Donc, il a laissé ça laver. Il y avait son agent sur moi. Et c'est comme ça. Il m'a fait signe. Il dit, ah, je m'en vais. Il dit, bon, ok, il descend, tu donnes ton agent. Et c'est comme ça, je suis descendu. Il a mis son agent dans sa poche. Il était sur la bouteau. Il a démarré. Et puis, il a mis son agent là. À ma grosse surprise, il me dit, bon, ok, on va à zone 4. Il dit, bon, non, il m'a salué la famille parce que c'est la fête. Il s'est allé vers les 19h20. Il était Yule du mix. Mon vieux père, c'est un vieux père, le petit frère solo.
était lui, il avait une cave à côté de truc qu'on appelle ça, à côté de chez nous. Il avait une cave et il s'allait m'asseoir là-bas. Le jour même, il avait tué un mouton. Il avait gardé même pour nous, moi avec Arafat. Et de là-bas, il voit que j'étais bizarre. Mm-hmm. Il m'a dit, ah, vieux père, il m'a envoyé le pougon, il m'a salué la famille. Et c'est comme ça, les tasses bêtes ne voulaient pas me prendre. Il arrête. Il est assis. Deuxième, troisième, quatrième. Les gars ne veulent pas me prendre. C'est dit que quelque chose s'est passé. Il lui-même dit, Olo, les gars te refusent, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a arrêté d'agir qu'en 11e. 11e. Et il m'a pris, arrivé à Yopougon. Il dit, bon, derrière, même matin, appelé en famille, j'ai appelé. On dit, ouais, le vieux dort, il est fatigué. Mm-hmm. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je suis revenu au 11 d'Europe. Je suis entré boire, consommer, il y a pris deux vins. Mais il a commencé à trembler sur moi. Il sait que ça ne m'a jamais arrivé, ce genre de trucs. Ça considère mon portable son, tout le monde m'appelle. J'ai dit, oh, tous ceux, ils aiment trop m'aider les gens, les fans. Ils ont l'habitude de m'appeler pour m'insulter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a décroché, c'est PK, un ami d'enfance. Il dit, Olo, viens, c'est gâté. Que Didier est tombé, lui, il va se réveiller l'habitude. Il dit, non, c'est facile, c'est pas bon. Oui. Donc, malgré tout ce qui s'est passé, il a vu que vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça me s'est arrêté, taxi, il s'est allé directement. Je l'ai appelé en route, il dit non, j'ai envoyé Arafat à la polyclinique. Il dit, je suis allé directement là-bas. Étant là-bas, on ne voulait pas me laisser entrer. On laissait tout le monde entrer, mais moi, on ne voulait pas me laisser entrer. Il dit, ok, il n'y a pas de date. Il m'assoit devant la clinique. Il a bu trois bouteilles de vodka, là. Parce qu'il courait trois bouteilles. Trois bouteilles de vodka. Parce que moi, là, tu ne savais pas ce qui se passait. Il ne savait pas. Moi, j'étais mélangé. Moi, je vois mon frère sans. Et c'est comme ça, il a vu Pekayi, mais c'est comment, qu'est-ce qui se passe? Qui a les affaires et le portable d'Arafat. Et c'est comme ça, il a pris le portable plus 150 000 francs qu'il m'a remis. Et c'est comme ça, le portable était 6 mois. Et je suis resté à polyclinique jusqu'au matin. C'est matin. Le portable sonnait? Le portable, non, il a éteint le portable. Ah, ça avait éteint carrément. Et dans ça, j'étais devant pour lui qu'il n'y ait plus annoncé la nouvelle. Mais en temps, il m'avait dit. Donc moi, il ne me croyait pas. Donc il dit non, matin. Qu'il soit officiel. Et c'est comme ça. À lui, le coup est venu vers moi pour dire, Olo Yako, ouais ça, non, moi, on est parti. Et c'est comme ça, ça a pété. Donc le portable était sur moi. Mm-hmm. Chez moi-même, étant à la maison, il est porté hors. Ils ont tout volé. Et tous ceux qui rentraient, c'était dans ma chambre, au salon, on ne sait pas qui est qui. Après tout, c'est Daichi. Donc tout le monde veut voir clair. Et les étrangers, même, on ne sait pas qui rentre. Donc ils sont entrés dans ma chambre, ils ont pris ma chaîne en or, ils ont pris mon bracelet, tout, tout, mais il n'y a rien dit. Il a laissé tomber. Et le portable, les gens voulaient. Y vu. Attends, le portable était réclamé par des personnes. Des personnes. Des personnes ou des personnalités? Des personnes. Des personnes. Mm-hmm. Non, des personnes vues. Tant vu, maman vu, grandement. Donc Joe, est-ce que moi je sais? Je sais pas. Qu'est-ce donc, qu'il y avait donc dans le téléphone d'Arafat? Protéger, protéger la vie privée, oui. La vie privée de mon ami. En détruisant le téléphone. Il a détruit le téléphone sans regret, toujours je dis, parce que Arafat côtoyait pas mal de personnes en Côte d'Ivoire. Et il y a tellement de choses dans le portable, c'est pas comme si ce sont des choses vulgaires. Mais non, mais ça dépend. Tu vois? Donc, moi, j'ai cassé le portable. Moi, je le sais pourquoi. De là où il est, même, il est fier de moi. Mmh. Voilà. Oui, oui. Tu te dis pas que tu aurais pu donner le téléphone d'Arafat à sa mère, Tina Glamour, en l'occurrence, qu'elle était la personne la plus habilitée à garder le téléphone de son fils? Enfin, c'est une question que je te pose. Hein? Elle n'a pas vécu avec Arafat. Elle n'a pas vécu avec Arafat. D'où Arafat a commencé pour devenir ce qu'il est, elle n'était pas là. Et moi, je le sais où il rentrait. Et moi, c'est le CR qui causait. Donc, si j'ai cassé le portable, il y a une seule raison. Il y a une scène. Il y a une scène culte qui s'est passée pendant que vous êtes rentré à la maison chez Arafat. Apparemment, quand les gens venaient rendre visite, on dit que tu es rentré dans une colère noire quand quelqu'un est rentré. Et que tu as même chassé la personne, tellement tu étais dans un autre état. Non, moi, j'étais dans un but. C'est-à-dire, il n'était pas moi-même. Tu sais, vivre avec quelqu'un,
Pendant combien d'années, c'est pas facile de me peindre. Donc, moi, avec Arafat, c'est comme des frères. Ouais. Un ami plus qu'un frère. Donc, quelqu'un qui vient dans ta chambre, ou fait tout à flirer ici quelque chose, et puis demain, tu apprends qu'il est parti. Mais ça travaille l'esprit, man. Ça travaille. Et quelle est cette personne qui est rentrée que tu n'as pas, tu n'as, enfin, dans ton état second? Ils m'ont dit, oui, Moula est venu, mon vieux père Moula, qui est salué au passage, tu es venu, je l'ai raté un coup de poing. Non. On dit que je suis rentré, mon vieux père, Ahmed Bakayoko aussi, tu es venu, on dit, ouais, il a crié, tout le monde a sorti des champs à fond. Mais. Ça après m'ont dit parce que j'étais pas. Tu t'es tassé oui, après avoir descendu trois bouteilles de vodka, j'étais pas. J'étais vraiment sous le choc. Hein. Donc, après, le médecin, ça n'allait pas. Le médecin m'a dit non, donc, on s'est touché. Donc, va doucement. Il a fait 2 ans sans boire, sans fumer. Et je me suis au fur et à mesure, ça s'est parti tranquille. Et aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Carmen Samba quand on sait que pendant les obsèques d'Arafat, vous étiez très proches. Aujourd'hui, est-ce que vous parlez? Est-ce que tu as de ces nouvelles? Oui ou non? Bon, au fait, Carmen Samba, c'est... Moi, je rencontre la petite. C'est ma petite sœur. Et en plus encore, c'était la femme à mon frère. Une des femmes de ton frère. C'est une femme à respecter. Voilà. Quel que soit le problème, quel que soit le défaut qu'elle a, ils sont obligés de la respecter parce qu'elle a donné une fille à mon frère. Donc, qui te ressemble d'ailleurs, d'après ce que les gens disent. Hein. Oui. Donc, on dit Rafna te ressemble beaucoup. Hein, donc, une fille à mon frère. Donc, moi, elle a pu la se marier demain. Bah oui. Elle a pu la se marier. Non, souvenir, fête, arriver sa vie. Non, Joe, c'est une grande fille. Le gars est décédé, ça fait 3 ans. Si quelqu'un a demandé sa mère, elle est partie. Ça. Du moment où on n'a qu'à bien s'occuper de la petite, c'est tout. Parce que la fille, Rafna en question, c'est notre fille. Mais on dit que Rafna te ressemble énormément. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui disent que tu serais peut-être le père de Rafna? Ouais, ça arrive. Hein. Mmh. Imagine que cette défalée soit à tes côtés. Mmh. Et tu sois avec l'ami de cette défalée. Et tu es plus collé à cette défalée. Son ami lui va en mission, bien va dans ses business. Mais à chaque moment, tu es obligé, ton ami, c'est une famille. Et il te donne des conseils, quand il y a quelque chose, c'est lui qui vient t'aider. Donc c'est pour ça que l'enfant est censé me ressembler, ressembler à... Mais à ça arrive, pas forcément pour dire que lui, ils avaient couché ensemble. Ok, d'accord. Oui, c'est clair. Donc, Rafna, j'accepte tout ce que les gens sont en train de dire, parce que c'est la fille de mon meilleur ami. Donc, si elle me ressemble, elle ne me ressemble pas, c'est ma fille. La fille de mon ami, c'est ma fille. D'accord. Donc, j'accepte tout. Maintenant, vous deux qui êtes assis là, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Dans le temps là, toi, tu voulais goûter à nos jaguars. Oui, il est là. Tu voulais le frapper. Oui, tu cherchais tout à l'heure. Tu as dit que tu as bastonné à nos jaguars. Proprement, comme il se devra. Maintenant, vous êtes devenus frères et sœurs. J'entends là-bas que. Vous êtes binôme, c'est-à-dire vous êtes comme ça, ouais, ça. Comme cul et chemise. D'accord, on a compris. Maintenant, dans le temps, tu voulais le frapper, pourquoi? Bon, explique-nous. Tu sais, le passé reste le passé. Mm-hmm. Il y a des choses qui arrivent souvent. Aujourd'hui, moi, avec Anon Jaguar, il y a beaucoup de choses, mais on a décidé de se remettre ensemble pour travailler, pour aiguiller la jeunesse. Mais pourquoi tu voulais le frapper? Est-ce que je veux savoir pourquoi dans le temps tu voulais me frapper? Mais toi-même tu dis dans le temps, c'est dit dans le passé. Oui, mais pourquoi vous expliquez ce qui s'est passé pour que tu veuilles le ça, frapper? Ça c'est trop long, c'est enfantillant. Il faut faire un bref résumé, on est très intelligent, nous on va comprendre. Pourquoi voulais-tu frapper Arno Jaguar? Ça a fait le 5 millions qu'il a bouffé la saison. Non, Arno Jaguar, il voulait le frapper parce qu'il m'a injuré. C'est pas fait les 5 millions. Il t'a injuré comme à quel moment? Oui, ou oui. Je te vois. Hein? C'est pas à faire le 5 millions, Dieu l'a donné à Arno. Attends, je vais dire. Après d'Arafat, funéraire d'Arafat, 5 millions là, c'est vrai ou c'est faux? Je ne mens pas. Arnaud a pris les 5 millions, où il a déposé, on ne sait pas. Tu dis que toi, tu n'as pas reçu ta part et tu es membre de Yorogan. Tu n'as rien reçu, donc il faut qu'Arnaud Jaguar te décale ton dieu. Donc tu le cherchais pour le bouter. Vrai ou faux? Non, il t'a manqué de respect. Que quoi? Dis la vérité ici. Tu dis quoi? Je dis, dis la vérité, on progressait. Tu voulais le frapper à cause de 5 millions. En gros, aujourd'hui, là, vous êtes en mission d'être de l'amour. Toi-même, il faut regarder le gabarit d'Arnaud Jaguar. Non, décalé. Le gabarit Goro Macha. On dirait le Bibandom. Tu as frappé Arnaud Jaguar, t'es comme Maya Abeille.
Au bout de mon faut arrêter. Allô, Jacques. Elle a job. Un petit corps frêle comme ça, quoi, tu as voir frapper à moi, à Olo. Ton cœur est tout noir. Maya, quoi? Maya. C'est pas méchant. Ça veut dire que tu. Lui, on a dit, Bimandom, là, là, ils font aussi notre père. Incroyable, Hulk. Au fait, tu sais, allô. C'est. Bon, il y a quelque chose qui est arrivé. Mais il faut dire, c'est quelque chose. Non, c'est pas fait de 5 millions de trucs. Ça fait de quoi? Avant ça, même, nous deux, on s'est chamaillé, c'est un truc qui était le nom. Parce que c'est un truc qu'on ne peut pas exposer ici. Donc, après ça, il me dit, mais on est tous des grandes personnes. Pourquoi à chaque moment, ne pas se parler, faire des histoires, toutes les histoires. Moi, mais je l'ai appelé, il dit, frère, viens. Il était étonné. Et c'est comme ça, bon, une personne. Mais tu as pris crédit à lui, non? Tu dis? Tu as entendu, c'est le son qui t'a pas plu. Tu as pris crédit à lui, non? 700 000, c'est vrai ou c'est vous? 700 000? Oui. Est-ce que tu. Avant, c'est-à-dire que vous étiez en palabre, tu ne parlais pas avec lui, tu voulais le frapper. Mmh. Mais quand tu voulais lancer ton activité, que tu n'avais rien, tu t'es du coup tourné vers Arnaud Jaguar pour prendre crédit à lui. Tu n'avais pas fini de solder. Vrai ou faux? Arnaud Jaguar, il y a des doigts? Non. Aussi. Je n'aime pas ça, hein. Non. Je n'aime pas ça. Tu vois, défendre, tu vois, tu as vu Maël là-bas et puis les grands Hulk. Tu vois le comportement? Ce qu'ils ont dit hier, ils viennent changer aujourd'hui. Arnaud, on va mettre. L'interview de la dernière fois sortie. Il n'y a pas de soucis. Ça va sortir. Ça va sortir. Nous, nous allons l'arranger. Mais Chola, attends, il y a une question qui a été me fatiguée déjà. Olo Pacha, est-ce que le portable que tu as cassé était le seul téléphone de Dija Rafa? Le portable qui a cassé, c'était le seul téléphone de Dija Rafa. À la fin, il n'est pas attrapé des portables, trois portables. Jamais. Il y avait une seule personne seulement qui a attrapé ses portables, c'était Christian, mon petit Christian. Son portable. C'était Christian. Et. C'est quoi? Il se balade aussi avec son ordinateur portable. Ça aussi, c'est important. Non, c'est 10. Mais l'ordinateur portable, là, c'est où? Où c'est? L'ordinateur portable est chez le notaire, il a remis ça à la maman. Mais pourquoi Tina Glamour t'accuse d'avoir volé les appareils d'Arafat? Elle dit que quand Arafat est décédé, toi, tu es allé dans son studio d'enregistrement, tu as cassé la porte et tu as balayé tous les appareils. C'est vrai ou c'est faux? Bon, je vois que c'est ce qu'elle a appris, mais elle n'a pas vu de ses propres yeux. Tu sais souvent. C'est l'information qu'elle a reçue. Voilà, les informations qu'elle a reçues. Mais tu sais souvent. Quand tu es avec un ami, il faut le protéger. Même s'il n'est plus, ces trucs aussi, il faut le protéger. Quand la femme va en voyage, c'est moi ici dans la maison. En cas de quelque chose, c'est moi qui prends les pots cassés. Il s'est dit, bon, ok, mon bien ami est là, moi j'ai pas peur, je m'en vais en voyage. Donc il sait tout ce qui était dans la maison. Tu comprends? Et à la fois qu'elle est tombée, il y a des gens qui venaient dans la maison qu'on ne connaissait pas. Okay. Wow. Donc il faut garder ces trucs. Il ne faut pas que les choses disparaissent, on dit non, c'est Y ou c'est. X. Donc, il n'y a plus les choses de donner ça à mon petit. Va, mets ça chez toi. En cas de quelque chose, si mémé vient, ou bien telle personne vient, tu vas donner ça à mémé, ou bien on va donner ça au notaire. C'est tranquille. Voilà. Alors, en ce moment, Olo, toi et Arnaud Jaguar, vous avez fait une déclaration comme quoi vous proposez, vous, bientôt vous allez lancer un documentaire sur la vie des feux Dija Rafat. Tina Spencer a fait une sortie pour dire que si vous sortez ce documentaire, la prison va vous dégoûter. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, il laisse mon frère répondre. Avant, dégoûtou. Non, on a dit très bientôt, le 12 août, on va la sortie du documentaire de la vérité. Le documentaire de la quoi? De la vérité. Le documentaire de la vérité. Oui. Donc si je comprends bien, à travers son titre, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de choses cachées qui vont sortir. Mais c'est ça. C'est qu'on dit le documentaire de la vérité, ça veut dire qu'il y a eu mensonge. C'est quoi, c'est pas les bonnes. Le 12 août, il y aura le documentaire de la vérité. Bon, mais si la question de voir tout ici, c'est que qui en fait? Il n'y a pas de suspense. Donc en fait, c'est pas le documentaire de la vérité, c'est pas forcément en vie. Sur la vie d'Arafat? Non, ici, désolé, il vient. Quand il dit documentaire de la vérité, c'est pas forcément Arafat. Ça peut être Olo Pacha, ça peut être Chola, ça peut être toi, Défalé, ça peut être Jaguar. Donc, mais pourquoi tu n'as pas une surprise? Non, ça c'est un tumeur. C'est notre moment, c'est une femme à respecter. Dans la vie, je la respecte, la femme, parce que c'est la mère de mon meilleur ami. Et ce n'est pas censé la vilipender ou
l'a dénigré sur les réseaux sociaux parce que ça fait comme s'il n'est pas respecté la mouvement de tu l'as déjà vilipendé sur les réseaux. Tu l'as dénigré, tu as fait des directs. Tu parlais mal. D'accord. On parlait mal. Oui. Jamais de la vie. Tu l'as clashé à plusieurs reprises. Quand elle a insulté tes parents, elle a insulté ta famille, elle t'a traité de misérable. Écoute. Tu as répondu là ? Tu sais, j'ai répondu parce que ma maman n'est pas sa camarade. T'es dit clair. Ma maman, elle est douce. Elle est. C'est dit, il y a des femmes. Ma maman a couché des. C'est dit, ma maman a couché ma grande soeur, tu as même âge avec elle. Voilà. Donc, ma maman n'est pas sa camarade. Mais elle insulte ma mère. C'est pas parce qu'elle insulte ma mère, je vais l'insulter. Non. Quand elle insulte mes parents, je dis, arrête d'insulter mes parents. Tu peux m'insulter, moi, mais arrête d'insulter mes parents. Parce que ce ne sont pas tes camarades. Maman peut la coucher. Ah bon? Oui. Mais ça, ce n'est pas des injures. Voilà, la c'est appelé. Il est appelé, c'est pas les échecs. Tu peux m'insulter. Tu peux m'insulter, mais mes parents, tu arrêtes d'insulter mes parents. Voilà, moi j'ai été victime aussi. Ah, toi aussi. Elle est insultée. Donc, ça vous dit si tu regardes bien les directs, je ne l'insulte pas. Voilà. Donc, c'est une mère, c'est une maman. Mais je suis rendez-vous le 12 août. Mais est-ce que vous associez au jour d'aujourd'hui la fondation de Didier Arafat? Fondée par la Mémé Tandilou, est-ce que vous associez tout ça à ses activités? Oui, en fait, la Mémé, à la fois d'aimer sa grand-mère qui est tout le monde, à la fois, à chaque moment, il parlait de sa grand-mère. Il parlait toujours de sa grand-mère. C'est pas comme s'il parlait pas de sa grand-mère. Lui-même, il dit, ouais, c'est sa grand-mère, même tu l'as élevée. C'est son Dieu sur terre. C'est son Dieu sur terre. Tu vois? Donc, il a aimé sa grand-mère. Donc moi, avec la grand-mère, c'est notre mémé, nous tous. La mémé de la Yorogan de la Chine. C'est une femme aussi à respecter. C'est une maman, une vieille à respecter. Elle a perdu son petit-fils, même si c'est pas elle qui l'a mise au monde. Mais elle ressent. C'est dit quelque chose, voilà, des douleurs. La dernière fois, elle m'appelait, elle connaissait la main pleurer à cause de quelque chose qu'il ne peut pas exposer. Mais ça, c'est entre nous. Mais il dit, mémé, il faut te calmer. Tu vois, ça blesse, ça fait mal. Donc, si nous, elle est là pour, à côté d'elle, pour la réconforter, donc... Alors, Randy Agba a fait une déclaration récemment pour dire qu'ils ont tenté d'empoisonner dans la Yorogang. Qui a donc voulu empoisonner Randy Agba? Bon, au sein de la Yorogang. Au fait, dans la Yorogang, ils l'ont empoisonné dans la Yorogang. C'est ce qu'il a dit. C'est pas nous qui avons dit, c'est lui qui a dit ça. Mais tu sais, dans la Yorogang, là, moi, tout je lui ai dit, il y avait des gens qui étaient avec Arafat à côté de nous. Il y avait des gens qui étaient à côté de nous pour avoir... Au moins les PDM, il y avait des gens aussi qui n'étaient pas de nous pour avoir. C'est dit, se faire. Rechercher quelque chose. Donc, par contre, il y a d'autres qui étaient avec lui par passion, qui avaient l'amour. Passion, l'amour, tout et tout. Qui étaient à sa salariés. Voilà, tranquille. Voilà. Donc, si Landry dit l'ont empoisonné, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu pour savoir qui a fait ça. Je ne peux pas dire le nom de quelqu'un que j'ai jamais vu. Peut-être c'est Dieu seul, seulement tu nous regardes. Celui qui l'a empoisonné un jour, peut-être lui seul, s'il sait, va venir étaler le nom de la personne sur les réseaux sociaux. Mais dans la vie, il faut faire très attention parce que l'homme noir est méchant. Mais il y a un truc aussi que j'aimerais dire aussi. Tu vois, quand tu dis un membre de la Yorogang, c'est vague. En fait. C'est vague. Je veux bien voulu qu'il dise c'est telle personne qui m'a empoisonné. C'est sans dire un garçon. Vous comprenez? Nous étions une famille et dans la famille, il y a eu beaucoup de choses. Tu vois, et Arafat était celui-là, même quand tu viens, tu parles mal de telle personne, il t'appelle. Il dit, viens. Il appelle. Ah, lui, il a dit, t'en nettoie. Tu comprends? Et puis là, ça s'est règle en même temps. Donc, parmi nous, comme on a dit, il y a des brebis galeuses. Vous comprenez, non? Mais si aujourd'hui, le frère dit, il a été empoisonné, il sait avec qui il se trouvait. Il se promenait pas, nous aussi. Il se promenait pas. Il buvait pas, nous. Voilà. Donc, c'est à lui de savoir réellement qui l'a empoisonné et de dire, c'est telle personne qui m'a empoisonné. Mais quand il a Yorogan, tu nous indexes, nous tous. On va dire quoi? Tu indexes You, tu indexes Anno Jaguar, tu indexes Vanessa, Ami Lopo, c'est pas Trésor, tout ça. Comme c'est qui
J'espère qu'un jour, Landry Agban pourra dire exactement qui il soupçonne de l'avoir empoisonné. Voilà, on va l'inviter pour un fa-fa et puis bon, on en parlera avec lui. Donc, le documentaire de la vérité, c'est ça le titre du documentaire. Hein. Est-ce que ce documentaire est basé essentiellement sur la vie d'Arafat ou alors c'est sur la vie des membres de la Eurogang? C'est une surprise. Rendez-vous le 12 août. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Youtoir Rouge? Bon, moi, Youtoir Rouge, il n'y a pas de problème avec Youtoir Rouge, c'est un grand frère. Et chacun dans son coin maintenant. Ah, c'est plus comme avant. Hein. C'est plus comme avant. On se cherche. Mm-hmm. Après, on est des pères de famille. Hein. Mais est-ce qu'après, quand Arnaud Jaoua est venu prendre sa place en tant que manager, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça crée des problèmes ou des conflits? Olo, il n'est pas parti de lui-même. Hein. Il n'est pas parti de lui-même. Non. Ah, bah voilà, au fait, Arafat n'a pas chassé. Et comment ça s'est terminé entre eux? Bon, les deux, il y avait les histoires. Ah bah. Tu comprends? Il y avait les histoires. Il a dit, bon, ok, you. Reste un peu. Reste ici, il voit ta réaction, comment ça se passe, parce qu'il y a tellement de bouboules entre les deux, que je ne peux pas rentrer dans les détails. Donc, c'est comme ça, Youyou était de son côté, et puis maintenant il a pris mon petit frère, tu n'es plus ici, tu es à Paris, à Bimawan, qui est sorti aussi. Et ensuite, il a pris et après, Arnaud Jaoua. Est-ce que quand Arafat a libéré Youyou et que Abid Marwan est venu, est-ce que Youyou n'était pas un peu épuisé? Bon, ça, il ne sait pas. Il ne sait pas dans son cœur pour savoir. Mais dans son comportement, sa réaction, bon, comment il a réagi? Bon, moi, il était plus collé avec Youyou. Mm-hmm. Donc, il ne sait pas s'il était jaloux, il n'était pas jaloux, mais il ne me parlait pas d'Arafat. Mm-hmm. Il ne me parlait pas pour dire que non, le petit a fait un temps. Et il sait que... Tu as rien à côté. Non, forcément, il a dit à mon frère, parce qu'il me protège mon ami. Hein. Et qu'il soit, même si il marche avec toi, c'est pas pour laquelle tu as parlé mal de mon ami Pierre Tissuf. Il lui dit, fais très attention. Dans nous deux, il était comme ça. Et ce qu'il voulait dire aux parents d'Arafat et à la mère d'Arafat, aujourd'hui, on a bien entendu. Regarde la caméra droit devant toi. Ce qu'il peut te dire, maman, quand ton fils a commencé à chanter, tu n'étais pas à ses côtés. Quand Arafat avait des problèmes, tu n'étais pas à ses côtés. Quand Arafat traversait les moments difficiles, tu n'étais pas à ses côtés. Ce sont ses amis qui étaient à ses côtés. Donc, il faut respecter ses amis. C'est très important. Aujourd'hui, il a dit à la mère, reste tranquille. Si tu restes tranquille, tu t'entends avec les amis de ton fils, tu vas gagner beaucoup de choses. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas le fait d'aller sur les plateaux télé, injurer tes enfants que nous sommes, mais injurer tes petits frères, puis il y a des gens aussi, tu sois âgé, dans la Eurogang, mais les injurer au fur et à mesure, mais ça ne va rien changer. Pendant combien d'années en train d'injurer des gens, ça ne va rien changer. Le contraire, même, tu dois te mettre même pour dire, ah, ce même tu étais resté à côté de mon enfant, attends, les remercier pour ce qu'ils ont fait pour mon enfant. Arafat, c'est Arafat, il sait chanter. Mais ce n'est pas lui ceux qui donne les idées. Et ceux qui sont à côté aussi peuvent lui donner des idées. En fait, c'est un bon. La Yoruba, c'est un état d'esprit. Arafat sait chanter, mais il y a des concepts qu'il ne connaît pas. On lui donne, il chante. Tu comprends? Petit ordinateur a fait sortir concept. Arafat a chanté. Olokmati a fait sortir Tissandjebe, Tapis Vélo. Bon, tout ça, c'est moi. Pas mal de personnes, tous ceux qui sont dans la Eurogang, a donné un tout petit truc, il est plus à l'artiste. Arafat n'est pas magicien pour devenir ce qu'il était. Ça cause de son staff, ses frères, l'équipe, il est devenu ce qu'il est. Tu comprends? Et moi, j'ai dit à la maman, respecte tous ceux qui étaient à côté d'Arafat. Ça, c'est clair. C'est clair. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus tout près. Avant-hier, tu vas derrière eux. Non, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Non! Il faut respecter ceux qui sont là. Tu peux parler de qui? Je n'ai pas parlé de quelqu'un parce que je n'ai pas envie de donner nom à des gens. À la télé, s'il te plaît. Ils ne sont pas importants, mais ils sont personnes. Même. Merci. Donc, voilà. Ils connaissent ça. Apparemment, il y a des parents qui vont sortir. Mais alors, j'avoue, revenons à ton histoire. Je voulais savoir l'affaire des 5 millions, parce qu'on t'a accusé, hein, ça a fait le tour de toute la toile en Côte d'Ivoire. L'affaire des 5 millions, il paraît que pendant les obsèques d'Arafat, on t'a donné 5 millions pour t'occuper des membres de la Eurogang. Et que toi, tu as lapé le djé.
Qu'en est-il exactement? Où sont passés les 5 millions remis à nos Jaguars? Quand Olo est en train dans son intervention, il a dit qu'il y a eu des personnes qui ont apporté un plus, qui ont travaillé, qui ont lutté pour que l'artiste puisse devenir ce qu'il est. Ce n'est pas en vain. Dans les derniers moments d'Arafat, on a vu un peu tout ce qu'on a pu traverser, comme tracasserie, comme obstacle. Ça n'a pas été facile, tu vois. Et donc, étant donné qu'on n'avait pas de spectacle, parce que les gens nous appelaient pour des spectacles, mais il y avait toujours des bâtons dans les roues. Alors que l'artiste, il vit de son art. Un artiste sans spectacle, il n'est rien. Tu vois. Et donc, du coup, moi, étant le manager, voilà pourquoi c'est important de respecter tout le monde. Toutes ces personnes qui ont été au sein de l'aérogramme. Étant le manager, j'ai usé de ma sagesse. Et avec l'expérience que j'ai décidé comme ça de faire une tournée qu'on appelait Moto Moto Tour. Et cette tournée-là, c'était quoi? C'est nous-mêmes, on se met en spectacle et on génère les fonds pour qu'on ne puisse pas être à plat. Vous comprenez? Et on a lancé la tournée. C'est-à-dire où les gens disent, on ne doit pas faire des spectacles, Arafat ne doit plus se promouvoir auprès de ses fans. Nous, on a créé nos événements. Et c'est dans cette démarche-là, on l'a fait. Mais on fait cette tournée avec le financement. On enlève le financement où? Il fallait encore, étant le manager, trouver des solutions pour qu'on puisse avoir les fonds pour pouvoir faire cette tournée. Et c'est ainsi que je suis allé voir une personne qui nous a financé tout le long de cette tournée, que je salue de passage, Autorité Nabil, qui a été comme un père, qui a fait beaucoup de choses dont je ne peux pas parler de ça maintenant, pour l'artiste. Et étant donné que l'artiste s'en est allé, la personne a dépensé beaucoup, je suis le manager de l'artiste. On me remet 5 millions, on dit voici 5 millions. Prends les 5 millions, essaie de gérer avec tes gars. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, dans ma démarche, je dis il est important d'aller vers cette personne-là que je suis allé voir, qui n'était pas obligé de nous aider. Exactement. Je suis allé voir cette personne-là et j'ai remis l'argent à cette personne. Tous les 5 millions? Tous les 5 millions à cette personne. D'accord. Et c'est cette personne qui a pris la décision, si elle-même, pour pouvoir donner un peu à tout le monde. Quand je parle de tout le monde, je parlais des danseurs, des auteurs. Parce qu'on a tourné, vraiment, c'était vraiment... Il y avait trop de choses. On était beaucoup. Donc, c'est comme ça, ça a été fait. Et derrière, tu vois, aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui va peut-être frustrer certaines personnes, mais il est important de le dire, en fait. Vous avez remarqué, quand l'artiste est tombé, quand on parle de la Chine, tout le monde se référé un peu à moi. Lorsque on devait faire les obstacles au niveau du stade, c'est moi qui suis sorti à travers les directs pour amener la foule au niveau du stade. Et c'est les Chinois. Une réussite. Et étant donné que déjà, il y a une certaine célébrité, une certaine grandeur qui m'a été attribuée par les Chinois, il y a des personnes, comme on le dit toujours, au sein d'une famille, il y a toujours des bruits galeuses. Il y a des personnes qui n'étaient pas contentes du fait que, pendant que moi, je n'étais pas là, ils ont travaillé avec l'artiste plusieurs années. Et c'est où l'artiste doit partir. Je viens en 5 mois et c'est moi qui occupe cette place-là. Il y a des frustrés. Et c'est ces personnes-là qui ont manigancé avec beaucoup de personnes pour essayer de nuire, ternir mon image. Mais comme on le dit toujours, avec Dieu, il n'y a jamais un poteau. Aujourd'hui, voilà, je vis tranquillement, je vis heureux. On m'a traité de tous les noms, on m'a insulté. Oui, parce que j'ai vu une voiture, ils ont dit, c'est avec les 5 millions là que tu allais acheter la voiture. Donc, une voiture même qui te dépasse. Hein? Donc quand tu regardes une Dodge comme ça, Dodge, ça ne coûte pas 5 millions, je suis désolé. Ah. Voilà, ça coûte pas simple. Et avant Arafat, il est important de le signaler parce que Anou a fait beaucoup pour la musique ivoirienne. Il a été manager de Pompadour. Voilà. Entre autres, voilà. Bolisiana de Bordeaux. Serge Benoît, Léo, Magicien, Bolisiana de Bordeaux, Didier Maxiou, Ariel Séné, plein, même Safarel, tout ça, plein d'artistes, j'ai fait beaucoup. Donc, quand même. Tu as travaillé avec tous ces artistes, quand même, il y a un peu que tu vas garder. Donc, tu peux t'offrir le luxe que tu veux. Voilà, quand on ne vient pas dire que non, c'est à cause des 5 millions. Mais je comprends. Le plus important pour moi, c'est que Dieu a fait que je suis devenu une nouvelle personne. Partout, je passe tous mes réussites. Voilà, c'est bien. Tout. On est content pour toi, en tout Merci. Cas. Merci. Mais donc, parlez-nous de votre projet. Hein. Nous, ouais, on veut en savoir plus. On a monté une structure de production. Oui. On sait que la production, c'est lié aux artistes, mais est-ce qu'en dehors de ça, il y a des productions cinématographiques? Non, voilà. Je parle. Oui, parle. Voilà, vas-y. Bon, tu as fait grâce. Bon, aujourd'hui, je suis en deux avions. Yeah, voilà. Ouais, je tiens à le dire. Voilà, c'est ça en fait.
la pierre rejetée deviendra la principale. Mais parlez-nous, non, de Woro Woro. Voilà. Donc, Anno est basé à Lille. Et voilà, Anno est basé à Lille. Tu as parlé de lui. Toi, va là-bas. Et dans les cherchements, un peu, on a pu quand même avoir quelque chose. Mm-hmm. Et je suis revenu au pays. J'ai dit, étant donné que la musique, c'est une partie de moi. Et avec l'artiste, on avait pour but de pouvoir créer un grand label, qui était la Eurogang. Mais malheureusement, tout ce qui s'est passé, c'est un peu tombé. Donc, j'ai dit... pourquoi pas essayer de mettre en place une structure de production avec le studio d'enregistrement pour tendre la main à ces personnes d'appétit des talents qui veulent vraiment se lancer dans la musique. Et c'est comme ça que j'ai fait appel à mon frère Lo Kwacha, qui est avec moi. J'ai dit, mon frère. Lui, il connaît quoi dedans? On a travaillé avec Arafat, c'était une équipe. C'était une industrie musicale. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que moi je ne maîtrise pas, que Lo maîtrise. Donc c'est ensemble, on colle les idées. Olo, il a touché le pas. Voilà. On colle les idées pour aller de l'avant. Donc... oui, avant tu disais... Elle est super, voilà. Non. Donc, j'ai fait appel à mon frère. Donc on a monté la structure qui est Anno Java Production. Et Olo Pacha qui est le directeur artistique. Et on a le studio. Faut pas aller frapper vos artistes. Non, ça va. Olo Pacha frappe l'homme. Non. Olo Pacha frappe vos artistes. Olo, c'est le passé. Olo, c'est le passé, c'est pas Tcham qui te présente. Non, il vient. Après ça, il faut te dire que Olo, hein, c'est un entrepreneur. Hey. Olo Pacha commet ses ventes. Ouais. Olo Pacha commet ses ventes. Et pour export. Vendre du meuble, poissonnerie surtout, parce que ça, c'est la base. Pas mal de choses. Et puis, événementiel. Ouais. Pas mal de choses, restauration, tout et tout. Donc, il faut te dire que quand tu dis frapper, ça c'est le passé. Où il protégeait mon frère. Voilà. Quand tu touches à mon frère. Où tu voulais frapper à nos jaguars, tu protégeais ton frère. Il n'était plus là, hein. Faut pas venir nous boyo ici. Donc, faut te dire que le 10 août, là, qui te dit, ça va être chié, ça va être chié. Il n'y a pas de problème. Il y a les audios qui sont là. Audio qui a la frappe, m'a tourné là. Yeah, c'est lourd, Yemé, oh. Depuis toujours quand il parle, il dit toi, ta sérénité là, ça cache quelque chose. Qui a problème avec Y, mais il avait problème avec Anno Java par exemple. Il envoie tous les audios chez moi. Il n'est pas que des mains, son portable, c'est casse, bien. Non. Il t'envoie les explications. Tout. Non, ouais, telle personne, on fait comment? Il met le beauté maintenant. Donc il m'a envoyé, mais il a fait quoi? Et si c'était Mogol, il était carré dans sa tête. S'il dit, il veut faire quelque chose. Donc, il m'envoie tout, puis il écoute. Donc, il y a tellement de choses dans le portable. Portable, il a mis son sous-sol. Ben, Olo, nous, on a été très heureux de vous retrouver, de te voir aujourd'hui avec Anno. Vous êtes en odeur de sainteté, ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça va durer longtemps. Voilà, avec tous les nouveaux projets sur lesquels vous êtes, nous, on vous souhaite bon vent dessus. On attend, comme la date c'est le 12 août. Et aujourd'hui, un enfant, parce qu'on travaille des personnes qui sont coriaces. Ouais. Hein? Les artistes. Brico validé. Hein? Qui de qui? C'est une équipe. Ah, d'accord. Brico validé. Il a été présenté parce que c'est un bon petit. Ok. Soro. Brico validé, Soro. Soro. Voilà. Mm-hmm. Ok. Soro. Avec. Vladimir Poutine. La structure est déjà déposée, hein. L'entreprise est déjà créée. Elle est située où? Mais Olo Kwacha, est-ce que vous avez des nouvelles d'Angela Lova? Angela Lova, c'est qui? Ah, toi, tu sais plus qui c'est? Ah, mais c'est personne. Olo, Anno Jaguar, votre mot de fin, le message que vous lancez à toute la Chine par rapport à vos activités futures, quel est votre message? L'appel qu'on lance à la Chine et bon, à l'endroit de toute la population, c'est qu'aujourd'hui, vos frères que vous voyez devant vous, nous sommes passés à une étape supérieure. Voilà, c'est-à-dire qu'on a décidé de se prendre en charge et de travailler pour avancer. Mm-hmm. Parce que nos familles sont derrière et nous regardent. Mm-hmm. Et donc, on lance un appel à tous les artistes, à toutes ces personnes-là qui veulent exercer le métier d'artiste. N'hésitez pas, la structure Anno Jaguar Production est disponible. Mm-hmm. Nous sommes dans l'événementiel et très bientôt, nous avons une caravane de détection de nouveaux talents un peu partout dans les différentes villes. Différentes communes. Donc, n'hésitez pas, nous sommes là. Parce que je sais, dans les pays, là, dans les couloirs, dans les villages, dans les coins, il y a des talents. Voilà. On a fait un peu congélateur. Voilà. Donc, nous sommes là, on va travailler avec l'expérience qu'on a,
pour pouvoir vous aider à pouvoir devenir des méga stars de demain. Super. Merci, super. C'est à vous, Jean. C'est bien. Alors, notre émission maintenant tire à sa fin, je suis là. Mm-hmm. Ça fait un plaisir d'avoir retrouvé nos frères. Et... oui, Lokpacha et Arnaud Jaguar, voilà. Ici, c'est votre maison. On va passer quand vous voulez. On leur souhaite bon vent, hein, pour la structure de production. Et puis surtout, on attend impatiemment le documentaire le 12 août 2023. Voilà, le titre c'est le documentaire de la vérité. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci. Polo, voilà. Merci à Voix TV pour le service rendu au Daichi. Voilà, c'est important. Big up à Angèle le cultivateur, big up au papy Vivianus, big up à la grande famille Franck Mian depuis la Syrie avec tous ses frères, big up à vous Yacine Mian, tous ceux qui suivent, tous ceux qui partagent, restez connectés, continuez de partager, Fafa toujours prêt pour vous, big up que à Dieu ma vous femme. Bénisse. Fafa, c'est terminé pour aujourd'hui, en tout cas merci à vous très chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique d'avoir été en notre compagnie. Nous avons reçu Olokpacha l'Empereur, ainsi que Arnaud Jaguar. Merci à toute l'équipe, William Santiago, Stéphane Aka, et surtout merci à mon binôme Serge Défalé. Cela est habillé par Diva Glam Collection, voilà. Et surtout, j'aimerais faire un gros coucou, un big up à ma belle et grande commune de Diabo. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même canal, Ivoire TV Musique. Portez-vous bien surtout, et à la semaine prochaine. Au revoir.